Salut à tous et à tous, c'est TGK. Et aujourd'hui, pour les vacances d'été, je vais faire un story game. Aujourd'hui, on va présenter un jeu, vous connaissez peut-être. Ce jeu est super populaire dans la GameCube. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mario Sunshine. Le jeu représente vraiment l'été. Et pour l'occasion, pour les 20 ans du jeu, je voulais faire un peu un story game de ce jeu. Pourquoi pas? Alors, très simple, je voulais faire un peu un jeu qui pourrait représenter le soleil. Et bien sûr, les vacances d'été, et pourquoi pas parler de Mario Sunshine. Pas besoin de faire le sommaire, on va faire un voyage dans le temps. On va retourner 21 ans en arrière. Et oui, nous allons retourner en 2001. Je vais prendre le ZVT et nous allons voyager dans le temps en 2001. C'est parti! Nous sommes en début 2001 et chercher une nouvelle idée pour faire un nouveau jeu. Alors, les nouvelles idées, ce serait à faire un jeu en 3D, mais après la sortie de Mario 64, il fallait faire une suite, bien sûr. Il fallait chercher l'idée de ce nouveau jeu, faire une équipe pour faire Mario Sunshine en départ. Bien sûr, Monsieur Miyamoto cherchait une personne pour faire ce nouveau jeu, Yoshiaki Kaizumi. Toute l'année de 2001, ils vont travailler sur le jeu. Ah, ils vont faire un voyage. Ah, ils vont faire le voyage pour aller dans une île paradisiaque pour voir comment ils pourraient faire le jeu. Et oui, ce sera un jeu, on parlerait de vacances et du soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle Mario Sunshine. Ils vont beaucoup travailler sur les décors et tout ça, sur les boss et tout ça. Parce que ça va pas être évident de faire tous les décors. Parce que ça doit être un décor paradisiaque. Ils ont même fait aussi une maquette du jeu en pâte à modeler. Et pourquoi ils l'ont appelé l'île de Safino? Parce que le nom de la GameCube avant était Dauphine. Ça veut dire dauphin, bien sûr. Et ils ont appelé ça l'île Dauphine. Et quand vous voyez dans le cinématique de Mario Sunshine, vous voyez des crabes, des méduses, des tortues, des poissons, comme îles tout autour de l'île de Safino. C'est bizarre. C'est dommage, Nintendo n'a pas refait tous ces anciens îles paradisiaques. Parlons un petit peu de la version bêta. Dans la version bêta, le réservoir à eau peut être le jet. Mais dans la version bêta, c'était un soleil. Et le réservoir, c'était une espèce de bulle. Et ça se vidait. Pareil comme le jet que vous voyez dans Mario Sunshine. Vous voyez la différence? Quoi de différent aussi dans la version bêta aussi? C'est les soleils. Avant, le soleil était en bas de l'écran. Maintenant, on le voit en haut de l'écran. Avec les pièces à côté. Alors, vous avez les pièces bleues et les pièces jaunes. Au moins, c'est un peu plus rangé. Il y avait un an à la sortie du jeu. Et en plus à l'époque, le village de l'île de Safino que vous connaissez évidemment, c'était vraiment un village tout vide. C'était un village, il n'était pas encore bien fait, c'était encore un village, il n'y avait pas trop de couleurs. Et bien sûr dans ce village, on avait quoi? Des espèces de créatures, un oignon avec des pattes, complètement marron. Cette créature, on peut la trouver un peu affreuse. Mais en dessus de la créature, il y avait un œil. Il fallait gonfler cet œil, bien sûr, pour le faire exploser cette créature. Heureusement, ils ont enlevé dans la version finale parce qu'une créature comme ça aurait foutu les jetons en pas mal de gamins à l'époque. Je comprends un peu la chose. Cette créature-là a été un peu inspirée par une créature dans Zelda. Dans la version bêta, on avait aussi les vies étaient beaucoup plus différentes. Bien sûr, c'était un soleil, mais un soleil tout rouge au départ, avec un ombre dans ce soleil. Heureusement, dans la version finale, on a les barres, ils baissent. Et quand vous voyez les barres, ils baissent. Si vous êtes à la dernière barre et vous faites toucher, vous êtes mort, bien sûr. Aussi, je vais vous parler aussi d'une créature dans la version bêta qu'il restait dans la version finale, avec une autre couleur. Bien sûr, le porc Rico, la créature du poulpe que vous arrachez les tentacules dans la version finale. Dans la version bêta, il avait une autre couleur que la couleur blanc que l'on connaît aujourd'hui. Il avait la couleur bleue.
avec des points de taches gris. Et oui, cette créature-là avait une autre couleur avant. Et vous avez aussi d'autres créatures aussi, ils ont pas mal évolué aussi. Les bouts avaient une drôle de tête, que dans la version bêta, ils étaient vraiment bizarres. Que dans la version finale, on les voit un peu plus différents. Dans la version bêta aussi, il y avait aussi des espèces de créatures encore plus bizarres, des têtes plantes piranha. Bien sûr, volant, vous croyez? Mais on peut dire c'est un peu bizarre, il faut vraiment l'avouer. Et bien sûr, une autre chose, bien sûr, qu'il est resté dans la version finale, le coureur de Mario Sunshine avec le masque d'un villageois dans l'île de Safinou. Ce coureur dit quelque chose très important, c'est le coureur dans Zelda, Ocarina of Time. Et oui, dans la plaine de Hyrule. C'est lui, mais caché avec un masque, des chaussures et des gants. C'est le même personnage. Maintenant, je vais vous faire voir l'annonce de Space Worlds. Mario! Le jeu va sortir été 2002. Monsieur Miyamoto avec son équipe, il va travailler sur le projet Mario Sunshine pendant un an, après le Space Force de 2001. Maintenant, on va parler de l'histoire de Mario Sunshine. Alors, je vais vous raconter l'histoire un peu plus courte, parce qu'elle est un peu longue. Alors, tout commence par Mario, il va partir en vacances en avion avec la princesse Peach et Papy Champignon. Ils vont découvrir une annonce magnifique, un endroit paradisiaque. Mais quand ils vont atterrir dans cet endroit, ils vont voir l'île est taguée par de la peinture partout. Bien sûr, Mario sera accompagné par le jet. Il peut nettoyer la peinture. À son arrivée, Mario se fait attraper par les policiers de l'île de Safinou. Il va être jugé pour être celui-là. Il a défiguré l'île de Safinou. Et bien sûr, c'est pas Mario, c'est l'imposteur de Mario, bien sûr, anti-Mario. Et Mario va être obligé de nettoyer toute l'île avant de passer ses vacances. Voilà, voilà l'histoire, c'est tout simple. Maintenant, je vais vous parler de l'accessoire de Mario Sunshine, le jet. Le jet, le nom copié du jet, est là au-dessous de la vidéo. Alors, le jet, c'est l'accessoire que le professeur Catastrophe a créé, comme l'aspirateur de Luigi Mansion. Et comme le passeau Mazik. Dans le jeu de Mario Sunshine, on dit l'homme bizarre. C'est son logo. Alors très vite, on sait très bien c'est qui l'a inventé. Il y a pas mal d'accessoires dans le jet, bien sûr. Vous avez le propulseur. Le propulseur va vous servir aussi à foncer directement dans l'eau ou défoncer des portes. La fusée, c'est aussi important aussi pour sauter plus haut ou pour faire exploser les choses. Et le double canon va vous servir aussi de monter un peu plus haut et d'arroser au-dessous. Et le pistolet à eau, ça sert pour arroser les ennemis et arroser toute la peinture. Parce qu'il y a pas mal de peinture à arroser. Si le réservoir est un petit peu vide, vous en faites pas. Vous aurez peut-être des bouteilles d'eau parfois. Ou vous pourrez aller dans les lacs ou dans les mers pour remonter la jauge d'eau. C'est très important. Le jet va être votre ami dans cette aventure. Nous allons parler du méchant principal dans Mario Sunshine. Anti-Mario. Le but d'Anti-Mario, c'est de tout salir dans l'île. Mais Mario sera obligé de tout nettoyer. Mais ceux-là, ils n'ont jamais joué au jeu de Mario Sunshine. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Après, attention au spawner. Après, avec une vingtaine d'années, le spawner, on le connaît tous. L'identité d'Anti-Mario, c'est Junior Bowser, le fils de Bowser. Et lui, son accessoire, c'est le passeau magique. Mais dans le cinématique, quand on découvre son identité, on découvre Princess Peach et maman. Junior Bowser, c'est sa mère. Un coup, ça a étonné, vraiment, hein, on peut dire. C'est quand vous avez battu un robot Bowser métal que le cinématique apparaît. Alors, Junior Bowser, il croit que c'est sa mère, en fait, tout ça. À la fin du jeu, quand vous avez battu le boss, et vous voyez à la fin que Bowser et Junior Bowser vont parler ensemble, son père, la princesse Peach, et pas sa mère.
en fait. Alors Junior Bowser, il dit, ah bon? Et c'est qui ma maman? Ça, c'est un mystère, les gens. Junior Bowser veut se venger. Il va dire, un jour je serai grand, je battrai Mario. Voilà, ça se termine la fin du jeu. Après, le mystère de qui est la maman de Junior Bowser, c'est un mystère. Maintenant, je vais vous parler du jeu et mon expérience de ce jeu. Ce jeu, particulièrement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. On retourne vraiment en vacances et c'est vraiment sympa. Le souci dans ce jeu, vous risquerez aussi de faire des niveaux très difficiles et savoir un petit peu galère, parfois, les niveaux. Eh oui. Des niveaux vraiment, ils pourraient vous mettre en boule. Les niveaux secrets, les plus durs. En départ, si vous faites les niveaux secrets, vous allez avoir pas le jet. Vous allez courir et vous allez avoir des plateformes un peu galères pour vous faire tomber. Et à chaque fois, quand vous tombez, il va marquer dommage. Ça va plutôt vous donner envie de péter un câble, mais il faut se détendre. Et oui, Mario Sunshine, au départ, c'est beaucoup plus difficile. Après, vous allez refaire les niveaux avec les boutons rouges. Vous enfoncez le bouton rouge et vous allez avoir 8 pièces. Il faut récupérer les 8 pièces pour avoir un autre soleil. C'est ça le plus dur dans Mario Sunshine, mais le restant, c'est plutôt cool, le restant. On se balade quand on a envie, on fait que on veut. Et ça, c'est vraiment sympa. Bien sûr, je vais vous donner quelques secrets aussi du jeu. Si vous voulez commencer à jouer à ce jeu ou vous avez déjà joué et vous ne savez pas vraiment toutes les choses, vous prenez Yoshi. Mangez tous les oiseaux. Alors, les oiseaux verts vont vous donner des pièces. Les oiseaux bleus vont vous donner des pièces bleues. Et les oiseaux jaunes vont vous donner des soleils. Et les oiseaux jaunes sont très rares. Bien sûr, le conseil que je peux vous donner, récupérez toutes les pièces bleues. Si vous récupérez toutes les pièces bleues, ça va vous donner des soleils. Vous allez aller voir les deux ratons laveurs. Vous allez les échanger les pièces bleues contre des soleils. Et vous allez avoir des soleils. Bien sûr, on peut trouver les pièces bleues par parfois des mystères. Parfois, on arrose quelque chose. Hop, on a des pièces bleues. Parfois, dans des rivières. Parfois, dans des dessins que Anti-Mario a fait. Bien sûr, un petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est un peu comme Mario 64. Vous allez aussi avoir les 100 pièces à récupérer dans chaque niveau. Les 100 pièces vont vous donner, bien sûr, un soleil. C'est très important. Et bien sûr, un petit conseil que je peux vous donner aussi, surtout, faites attention de regarder partout aussi. Vous avez aussi des soleils cachés. Les soleils cachés, ce sont souvent des soleils complètement bien cachés, durs à trouver. Alors bien sûr, vous avez quelques tutoriels pour savoir tous les soleils où ils sont. C'est plutôt un très bon jeu. T'as un 18 sur 20 et sur 4,5 couronnes. C'est un très bon jeu. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Si vous voulez retourner un petit peu sur la GameCube, le jeu maintenant, vous pourrez l'avoir pour 40€ ou 50€. C'est un très bon jeu. Je vous conseille vraiment. Bah sinon, vous pourrez l'avoir aussi sur Nintendo Switch. Pour Mario 3D All-Star, vous pourrez l'avoir dans ce jeu. Et maintenant, nous allons parler de Pub Game. C'est parti. Il rêvait de vacances, mais accusé à tort, menacé par un imposteur, Mario doit laver son honneur. Super Mario Sunshine, dès le 4 octobre. Dès le 4 octobre, Mario est de retour. Et ça se fête. Super Mario Sunshine, exclusif sur Nintendo GameCube. Avec son pistolet à eau, Mario lave les graphes, lessive les méchants et il décolle dans les airs. Le retour de Mario et ses nouveaux gadgets, oh, ça se fête! Super Mario Sunshine, exclusif sur Nintendo GameCube. Cherish life and never waste. Everyone loves a sunshiny day. We're gonna keep it that way. Cause clean is better than dirty, and dirty's meaner than clean. Let's all lend a helping hand. Mario can't do it alone. He'll spray his water to fly around and clean the sludge that's on the ground. Cause clean is better than dirty, and dirty's meaner than clean. Super Mario Sunshine, only for Nintendo GameCube. Rated E for everyone.
GameCube。 スーパーマリオ最高の大冒険が GameCube でついに実現。これがスーパージャンプだ。空へ、海へ、自由自在に飛び回れ。エンターテインメントの頂点へ、任天堂ゲームキューブスーパーマリオサンシャイン。ゲームキューブ新価格19,800円。 Voilà, c'est fini. Nous allons revenir dans le présent 20 ans plus tard. C'est parti. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir présenté ce jeu, bien sûr, pour les vacances. Un petit peu en retard parce que j'ai eu des soucis un petit peu dans la famille. Bien sûr, je viens d'avoir un petit décès. C'était un petit peu difficile et j'ai eu un petit peu de retard sur la vidéo. C'est pour ça. Normalement, à la base, ça aurait été dû sortir au mois de août. Mais fin août, bientôt, entre guillemets, 7 ans. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu. Tu viens d'arriver sur la chaîne. Bienvenue à toi et surtout abonne-toi sur The Game King TGK, la chaîne du Retro Gaming, et active la cloche pour voir toutes les prochaines vidéos. Maintenant, je vais vous laisser. TGK vous dit salut et à la prochaine.